Bonjour à tous, nous sommes au salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie. C'est le dernier jour aujourd'hui, dimanche 3 février. Et on vient d'assister aux remises de prix du trophée Babette. Je suis actuellement en compagnie de Pierre Grange, chef cuisinier. Et je vous laisse vous présenter, Pierre. Voilà, bonjour. Donc je suis Pierre Grange, je travaille au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. C'est un honneur de participer à ce salon La Gastronomie des Outre-mer. Voilà, et j'ai pu assister à la création de ce salon avec Babette de Rosières, avec au ministère de l'Agriculture au départ pour le lancement. Donc c'est un honneur et une chance de pouvoir participer à ce salon et de découvrir aussi au niveau de toutes ces îles d'outre-mer, ces produits, ces épices. Voilà, c'était vraiment un honneur pour moi. Le gagnant, c'est l'Américain qui a gagné de l'école de Cordon Bleu. En deuxième, il y a eu le petit jeune de la Guadeloupe. Hein, qui est très très bien aussi. Le troisième, c'est le Tahitien, voilà. Et puis la quatrième, la Coréenne. Voilà. Mais bon, moi je les mettrais tous les quatre dans le même mouchoir, comme on dit, et voilà, c'est très content. Donc vous êtes ici depuis la création du salon, hein. Vous participez depuis la création du salon avec Babette de Rosières. Comment vous êtes rencontrés, comment ça s'est fait? Ben, ça s'est fait tout naturellement au départ par la présentation de son futur salon qui s'est fait au ministère de l'Agriculture, et je l'ai aidé et participé à l'élaboration de sa réception, hein, qui s'est fait pour la première fois au ministère de l'Agriculture. Donc après, on a bien accroché ensemble, et moi j'ai bien aimé sa cuisine de Guadeloupe, tout ça, c'était une découverte pour moi. Donc là, en tant que cuisinier, on découvre tous les jours des différents produits. Et voilà, donc c'est une découverte. Et même maintenant, pendant ces 3 jours au salon, je découvre encore des produits et qui sont pour moi très passionnants. Et on a la chance d'avoir des exposants passionnés. Ça, c'est intéressant et heureux. Et ils transmettent bien le produit, leur savoir-faire. Ça, c'est important. Et donc la 5e édition, donc comme l'a dit Babette, ce sera la première semaine du février 2020. Que voilà, après on recommencera l'année prochaine, et voilà, c'est avec une joie de revenir et pouvoir participer encore et de revoir tous ces gens qui sont agréables et accueillants. Je vous remercie, Pierre Grange. Merci. Et puis rendez-vous le 7, 8, 9 février 2020, la première semaine de février, début février 2020. Pour la 5e édition au Salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie, toujours à Porte de Versailles. Merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie.